Et bonjour à tous, c'est Brian Chanceau pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity sur le DLC Dead King. Alors, on va continuer. Hein. Séquence 13, mémoire 2, le voleur de livres. C'est parti. Bonjour, c'est ici qu'habite Léon ? Il n'est pas là. Ça fait des jours qu'on ne l'a pas vu. Laissez-nous en paix. A-t-il de nouveau été arrêté? Pas à ma connaissance. Beaucoup de gens aimeraient qu'on lui coupe les mains. C'est un sacré voleur, celui-là. J'ai besoin de son aide. Il s'est rendu au moulin hier. Je ne l'ai pas revu depuis. Dites-lui que Madame Margot vous envoie. Merci. Par pitié. Faites qu'il rentre à la maison. Alors, explore le moulin. Bah, le moulin. Et hop, voici. Et hop, on va passer. Ouais, là-bas. J'espère pas que ça va trop bugger. Ouais, je sais pas, on verra bien. Bah, j'espère pas en fait. On verra ça. Hello. On va tout là-bas. Tout là-bas. Bonjour, okay. Mon ami. C'est amusant. Ah, on va commencer à aller en hauteur déjà. Oula, il est là-bas. Hop, on va essayer de faire un peu le tour. Merde. On fait son allemand, c'est moi ici. Faites pas chier. Laissez-moi la vie. Par là. Deux groupes. Pour la révolution. Allez, hop. Mort. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici?
Et voilà. Il n'y a pas la lampe là? Bon. Alors. Pas la peine de se battre. Dès qu'on trouvera cette porte, on sera riche comme Crésus. Allez, au travail. Ok. Maintenez Ah, les pierres descendent dans les souterrains. La recherche mystérieux. Ok. Souterrain, ok. Il faut passer où en fait? Ils se ramènent tous. Je te tiens. Oh, encore. Oh, il ne me perdra pas. Allez, on nique tous. Ça me font bouger. Ouais, vas-y, laisse tomber. Hop, ça. Et voilà. Alors, on gagne beaucoup d'argent. On ne devrait pas déranger le repos des rois. Donc, si tu crois à ces ridicules histoires de fantômes, j'en ai vu un en bas. Fais chier. Ouais, je me demande combien de... Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien eu un bruit. Ton épée! Je le savais!
Sale fils de pute. Alors. Bon, tant qu'on est là, hein. Hop, on en profite, hein. Un passage là-haut. Ouais, voilà. Et hop, voilà. Tu as déjà vu des nobles, Léon. Tu les as déjà entendus parler. Ces gens-là descendaient de Dieu. Quand ils pissaient, c'était de l'or qui remplissait leur pot de chambre. Alors, Léon. Des fontaines de rubis se sont déversées de leur cou pour arroser toute la France. Et maintenant, un homme issu du pire des bas-fonds peut gravir le sommet de l'Olympe. Lâche-moi, crétin! C'est ça que tu veux, petit homme? Gravir l'Olympe? Je sais qui tu es. Un ambitieux. Tout comme moi. Rose? Commandant Bonaparte? Vous avez du nouveau? J'ai ceci. Trouvez la porte, couvre cette clé, et je vous récompenserai au-delà de vos rêves les plus fous. Qui en protège cette porte? Voilà donc notre petit importun. Qui traitez-vous de petit? Je suis presque aussi grand. Et toi? Tu dois apprendre à être plus diplomate, mon garçon. Rose, je vous laisse le ramener à la surface. Bien sûr, commandant. Tu es là. Quoi? Non! Lâchez-moi! M'occupe-t'en! Ce n'est qu'un enfant! Et moi, je suis père de famille! Le fantôme des rois! Moi qui comptais sur l'effet de surprise. Tu n'iras pas loin! Et voilà. Ne t'approche pas, monstre! Je ne suis pas un fantôme. C'est Madame Margot qui m'envoie. Madame Margot? Tu essaies de me brouiller l'esprit! Un intrus! Voilà! Pour effrayer les tuer le chef. Ok. Hop. Tu doutes toujours? Dépêche-toi, il faut se cacher! Comme ça, ça s'est fait. Alors? Je cherche un manuscrit. Il a été pris dans un tombeau sous la basilique. Oui, je l'ai. Nous irons le chercher dans ma forteresse plus tard.
Comment t'as appris tout ça? J'ai jamais vu personne se battre comme toi. Tu vas me faire rougir. Où t'es-tu entraîné? À Paris. Wow. Moi, je m'entraîne derrière la maison. Mais personne n'est en mesure de m'aider. Tous ceux qui se battent sont à Paris. Comme toi. Et qu'en pense ta mère? Madame Margot? C'est pas ma mère. Ma mère est une morisque. Elle a dû retourner en Espagne. C'est pour ça que j'ai fini à l'orphelinat. Je suis sûre que mes parents... Mission accomplie. Alors... Il va d'abord falloir qu'on se trouve des armes. Mon petit, laisse faire le spécialiste. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai volé à des pilleurs, hier. Et je l'ai caché ici. C'est une belle arme. Oui, je sais. Je sais ce que je fais. C'est-à-dire? Je sauve la France. Maintenant que tu es là, ça va être beaucoup plus facile. Écoute. Quoi? Nous devons d'abord récupérer ce manuscrit. Parce que nous devons le protéger des ennemis de la France. Oh, d'accord. Il faut qu'on remonte à la surface. Eh ben, il est plein de vie, le gamin. Alors, Mortigli, Guillotine. Ok, bon, on est là. Pas mal. Oh bah oui. Bah lui il a même plus de vie. Sauf qu'il a plus de vie. Allez hop, dégage. Faut que je tue lui en fait. Ok, il se barre. C'est pas mal. Wow, t'es plus fort que les héros des histoires. Parce que ces histoires n'ont rien de vrai. Non. La sortie est par là. Je crois. Je crois. C'est le je crois, j'aime pas. Ok, donc. Pourquoi faites-vous appel à quelqu'un comme Rose pour trouver le temple? Il n'a que faire de nos dessins. À votre place, je ne m'abaisserai pas avec que quelqu'un comme... Que désirent les rats? De la nourriture, bien sûr. Vous songez à leur intérêt personnel. Mais... vous vous trompez. Et voilà qu'ils sont morts. Je connais l'animal humain. Ce qu'il craint, ce qu'il aime. Rose est-il mauvais? Assurément. Mais moi, Napoléon Bonaparte, je peux le contrôler et le mettre au service de la France. Les gens s'empresseront de renoncer à leur liberté s'ils entretiennent l'espoir de se hisser au sommet. L'artefact que renferme le temple leur donnera cet espoir illusoire. Et je nous conduirai vers la gloire. On doit l'arrêter et sauver le peuple de France. Les sauver ne ferait que retarder l'inéluctable. Pourquoi dis-tu cela? Tu veux vraiment sacrifier ta vie en vain, petit homme? Si tu as peur, eh bien pas moi! Arrête! Oh, Léon, petit chenapan! Reviens ici. Où es-tu? Bon, on va faire ça en même temps.
peut pas y aller nous. On est obligé de faire le tour. Pourquoi ils disent que c'est pas là? Je crois que c'est là-dedans. Non, on peut pas. Non, ça nous rallonge. Ok. Comme ça, on se rock, ça nous rallonge. C'est pas là. On va rien faire. Bon, je crois que c'était là, mais non, on peut pas. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est ouvert. Alors là, putain, ils nous laissent une énigme. Putain, qu'est-ce que c'est? Activer les deux dalles. Ah, il y a deux dalles activées. Non, c'est pas merde. Putain, je sais pas c'est qui. Je m'en fous, t'as des moquettes. Ah, dis là, c'est quoi ce problème? Activer les deux dames. Ouais, je vais t'activer, mais tout ça. Si on peut.
incroyable, c'est... Ça se rappelle. Oh là là, c'est chaud. J'arrive pas à trouver la sortie. Ok. Oh non. Oh les 22. Oh putain. Et ben voilà. Putain. Ok, ils nous font passer là que c'est autre part qu'on pouvait passer, mais bon, c'est pas grave. On est enfin sorti. Bon, alors, maintenant on va là-bas. Oh merde, je suis dans une zone. Putain! Il m'échappera pas, je t'aurai! Oh la pute! Ouf! Pourquoi j'ai plus une... j'ai plus rien, j'ai plus mon ADH. ADH ou je sais pas quoi là. Donne-moi le manuscrit. Pourquoi? Je croyais que tout cela ne servait à rien. Je vais quitter le pays. Ce manuscrit est mon sauf-conduit. Tu ne penses pas à l'avenir? Une France libre où chacun verrait sur son voisin. Grandis un peu, petit homme. Oublie la France. Pense plutôt à toi. Qu'est-ce qui a bien pu te rendre aussi égoïste? Tu ne peux pas les sauver. Ils ne reviendront pas. Tu ne vaux vraiment pas mieux qu'eux. Et voilà. Enfin. Fini. Alors j'espère que ça vous a plu, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Bon allez, salut !